Mais on est en cours par rapport à Jean-Maurice Webagay. Il y a un mot à la réunion. Mon qui invite, je n'ai pas qu'on nomme, je ne dis pas un problème, je ne dis qui est-ce qu'il y a la réunion. Il dit que il y a des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements qui sont là. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry, ils ont passé par un consortium à Madrid pour ne pas faire paraître propre. Ils ont besoin de rencontrer des candidats. Parce qu'il y a un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Il y a financé candidats avant l'élection pour y arriver. Et il dit, l'offre arrive, c'est là encore il y a financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Je dis, monsieur, il y a un problème. Mal la réunion. Les gens dans le garçon, il y a un côté. Le monde qui t'a dirigé la réunion, il y a un de c'est un ingénieur. Monsieur dépose la top, monsieur fait projection. Aïe papa, il a dit, c'est un petit gros bénéfice que je tire le fait que je suis candidat. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et il montre sur petit Tomazo. Pour toute chaîne de matinée, il a pris Saint-Marc, et il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui! Ah bon. Deuxièmement, nous avons projeté côté gagner source de pétrole. Yo. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domantis en l'Alambert de Port-au-Prince, côté de la taille, avec en bas Cara 2. Donc, côté où tout le monde, groupe 4, Samarzo a fait des ordres, etc. Tout le monde a juste des sentinelles. Il faut nous rappeler oui. Que le docteur Mathurin, avant sa mort, a dit même si Haïti a fait de tous côtés, zone en bas, ça. Pas côté pour Haïti, par exemple, quitter. Les affaires étaient sales, on s'en doute. Troisième magasin. Ils ont montré projection l'or dans la zone plateau central et dans le nord, les zones qui gagnent. Ils ont montré, ils ont montré, ils ont fait projection, ils ont fait cartographie. Ils ont montré qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc il y a autre chose. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, il y a un monde dans le pays qui était très proche de René Préval, qui était premier ministre, que tout le monde dépensait que tu n'es pas le candidat à la présidence, brusquement. Il n'est pas candidat à la présidence de Préval, c'était le professeur Jacques-Édouard. Ah, si. Maintenant, information que moi-même j'ai gagnée. Sous gouvernement, ça, il y a un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti, qui a fait étude. Les rapports, ça a été préparé, ils ont passé dans tout le département du pays, ils ont préparé les rapports, ils ont présenté les rapports au Palais national, par le président Préval, pour lui parler, il dit, monsieur. Il dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans, nous ne pouvons pas rentrer dans le dossier ça. Parce que vous avez porté par les cartographies aux ressources minières. Et ça a attiré l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté de l'uranium avec l'iridium. Et il y a un monde qui te travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre dans Haïti, pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours un bel aéroport pour interroger. Parce que vous connaissez tout le détail. Maintenant, pas dans le pays là. Il y a un personnage, Basson Génol, pas quoi c'est pas docteur Vic Samar qui est sorti au CAE. Il est aveugle, il a 80. Non, Nord-Ouest. Nord-Ouest, qui a 83. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu une information. Il a dit, mais tout dit là, pour nous connaître, il a eu un compte goutte. Voilà. Et puis, il dit que, donnez-moi le pays, je vous donnerai les informations. Donnez-moi le pays. Il dit, non, donnez-moi la présidence. Je vous donnerai les informations. Et puis, il m'a attendu, il sur mon radio, sœur, et puis, il a dit que, pendant le deuxième, l'oncle a été tué, et puis, il était dit, journaliste, hein, pourquoi on est dans tout ça n'a pas passé là? Nous avons 4 millions de mon emploi dans moins d'un an. Et pas bas la charité. Non, emploi à côté que vie mon emploi dépend de lui. Mais journaliste a demandé, mais qui côté n'a pas fait bail ça? Monsieur reprend les mêmes données, la bail toutes données ça, yo, que uranium, iridium, etc. Il dit que le doctorat en économie de développement, il y a un petit qui est ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande. Et puis, c'est là, monsieur dit que, je dis journaliste, ça, ou pas qu'on est, on tonne. Iridium là. Et 40 milliards de dollars, on graine tonne.
Donc, il faut nous comprendre que nous sommes un pays qui prend tournant un complot international. Et pour donc là, on va trop loin. Quand il y a là, nous allons comprendre pourquoi ça, docteur Mathieu est mort. On descend les doigts sous ça. Non, non, c'est pour nous continuer à parler parce que je ne suis pas tout à fait d'accord même avec Thèse Sayo. Je te donne tout net. Ah, ok. Maintenant, ça qui t'attire attention, c'est le journaliste qui t'a demandé, docteur. Hein? Pour qui ça, c'est où gagne information ça, quand on joigne yo. C'est l'Eldezil, tout ça, Mabdoula, document écrit, bureau des mines gagne yo. Donc, et monde qui passe dans haut niveau l'État, il gagne information. Yo. Et vous placez moi. Et ça qui va l'attirer, attention, c'est parce que, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est un pays qui a un pile d'uranium et parce que la deuxième fois, on dit ça, que sur Afrique du Sud, là, on dit que depuis. Ceux qui prennent sous Préval, que tu as gagné un groupe sud-africain qui était rentré, et il se trouve que la motte t'a fait un groupe spécialiste sud-africain t'est entré, vient montrer qui côté qui gagnait type de minerai.